Oui, excité, très excité. C'est une belle opportunité pour moi. Et ouais, je suis prêt et très excité. Je commence à aider les entraîneurs cette année. Tu m'entraînes avec le joueur un peu. Il y a 3 semaines, Steve m'a posé la question. Le rugby te manquait un peu, même si tu continues à t'entraîner. Non, pas beaucoup. Mais, je suis content de travailler ici et de commenter le match à la télévision en Angleterre pour Sky Sports aussi. Mais oui, Steve pose la question et j'ai dit, oui, pourquoi pas. Alors, il y a 6 semaines, il blague. Il dit, ah, tu es prêt pour un match? J'ai dit oui. Et, ouais. Après, c'est plus sérieux. Ta femme, elle est contente? Ou Oui, t'es inquiète? content. Elle est contente? Le petit content, mon femme content, ouais, tout le monde. Oui, ça va. J'ai un 8 mois repos pour mon genou. Ouais, ça va. Pas parfait, mais c'est bien. Un peu de muscu, beaucoup de vélo. J'ai 4 enfants, c'est dur. Beaucoup de cardio. C'est pour ça que tu reprends le rugby. Quatre Oui, enfants à la maison, c'est trop oui, difficile. oui. École, c'est vacances, école, c'est plus facile. Chez moi, c'est dur maintenant. Justement, comment tu analyses la saison des Dragons? Dur. 7 ou 8 performances. Bon, très bien, mais 7 ou 8 performances. Moi, bon, ça. Mais tout le monde travaille dur et continue comme ça. J'ai 35 ans maintenant. J'ai joué 350 matchs. C'est l'expérience. Le demi, l'arrière. Cette année, c'est dur pour lui. Mais oui, pour moi, c'est comme l'année dernière. Juste ouais, leadership, c'est ça. Oui. Mais c'est normal pour moi. Après beaucoup de matchs, c'est normal, c'est le rôle pour moi. C'est bon? Thanks, Sam. Merci. Thanks, Sam.